Hello, 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 la grande famille Belle Idée. Content de vous retrouver, heureuse d'être parmi vous, tout en espérant que vous êtes en santé et que tout va pour le mieux. Vous voulez un beau visage, vous voulez un joli teint comme votre sœur Belle Idée, c'est tout simplement facile. Il faut d'abord commencer par l'intérieur, c'est ça qui va se refléter sur votre extérieur et vous allez obtenir une jolie peau. Alors, n'oubliez pas de prendre votre nettoyage de colon qui va vous permettre vraiment de pouvoir éliminer tous les bobos que vous avez à l'intérieur de vous. J'insiste bien, venez prendre votre nettoyage de colon dans Belle Idée, vous ne serez pas dessus. Non seulement que ça va vous faire perdre le ventre et en plus aussi, ça va vous nettoyer en profondeur. Alors, pour la réalisation du sérum, vous allez avoir besoin d'abord d'un conteneur. Moi, je vais utiliser ce flacon-là. Pour le sérum, alors le sérum il est pour le visage, vous allez l'appliquer sur un visage bien propre, ça veut dire que vous allez le prendre, vous allez nettoyer votre visage et vous allez vous coucher. Ce sérum-ci s'utilise juste le soir, pour les personnes qui veulent un éclat, pour les personnes qui veulent faire un peu de lifting, pour les personnes qui veulent clarifier, pour les personnes qui veulent embellir. Si vous vous rendez compte que vous avez déjà le visage qui est bien clarifié, vous allez venir arrêter le sérum et vous allez continuer encore plus en avant. Mais là maintenant, vous allez tout simplement utiliser comme je vais vous faire voir là dans la vidéo. Tout en espérant que la vidéo sera d'une très grande utilité pour vous et qu'elle pourra vous aider. Je vous souhaite une bonne vision et à tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager mes vidéos pour que la famille Belle Idée puisse s'agrandir. Je tenais aussi à titre de rappel à dire, il y a des gens qui m'écrivent, qui me posent la question, Belle, est-ce que tu peux nous laisser ton numéro? Belle, quel est ton numéro? Et vous donner la possibilité aux arnaqueurs de venir vous répondre, de venir vous donner des adresses et vous vous faites piéger. Moi, je ne suis pas responsable. Alors, si vous voulez mon numéro, il suffit juste de regarder mes vidéos. En ce moment que je suis en train de parler, voici mon numéro que je mets ici. Le voici ici. Ne me posez plus la question comment te contacter, le voici ici. Prenez la peine de regarder les vidéos, prenez la peine de bien visionner, ok? Et sachez que les formations sont disponibles si vous voulez vous lancer. Si vous voulez réaliser vraiment des produits professionnels, voilà, pour pouvoir vous valoriser, pouvoir faire une activité personnelle, voilà, n'hésitez pas à vous former dans Belle Idée. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse. À tout à l'heure, bisous. Pour la réalisation, comme je disais tantôt, vous allez avoir besoin d'un flacon comme ceci. Vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin aussi du riz. Nous savons que le riz, il est très bien en cosmétique. Le riz est nettoyant, le riz est clarifiant. Le riz va vous permettre de récupérer deux teintes. C'est très important pour nettoyer, clarifier sa peau. C'est très, très, très important. Tout a besoin d'entretien dans la vie. Alors, vous allez utiliser le riz. Donc, vous aurez besoin du riz comme ingrédient. Vous allez aussi avoir besoin d'un citron bio. Faites attention, il faut que le citron soit bio parce que nous allons tout utiliser. Nous allons utiliser la peau, nous allons utiliser les graines, nous allons utiliser l'eau. Citronné qui est à l'intérieur, ça veut dire le jus de citron, nous aurons besoin de cela. Ensuite, vous allez avoir besoin de ce matériel, vous allez avoir besoin d'un mixeur qui va beaucoup vous aider. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a aussi des questions qui me reviennent toujours. Tu n'énumères pas tes ingrédients, ainsi de suite. C'est pas tout le monde qui est à l'école. Moi, je travaille avec un don, moi, je travaille avec des visions. Donc, je suis désolée. Donc, je répète, vous aurez besoin d'un citron bio 100%. Vous aurez besoin du riz bio 100%. Vous aurez besoin d'un flacon comme celui-ci. Ok? Le troisième ingrédient, on va le voir plus en avant. Nous allons d'abord commencer à découper le premier ingrédient. Je vais venir prendre maintenant mon bol que vous voyez là. Je vais verser la quantité de riz. Les gens vont me dire, mais c'est quelle quantité de riz que tu es en train de verser? Je vais prendre cette assiette, je vais mettre le riz à l'intérieur pour qu'on puisse compter ensemble. Parce que mes vidéos sont explicites. Quand tu dis que tu veux aider des sœurs, il faut franchement les aider. Je ne fais pas l'ironie dans mes vidéos. Je suis très sincère et pure avec vous. Voilà, je vais prendre une cuillère, comme vous voyez là. Je vais verser là, dedans. J'espère que vous voyez. Je vais prendre une
deuxième cuillère, je vais verser. Je vais prendre une troisième cuillère, je vais verser. Je vais prendre une quatrième cuillère, je vais verser. Je vais prendre une cinquième cuillère, je vais verser. Et là, ça va me faire une sixième cuillère. Ça me fait six cuillères que je vais venir verser comme ça à l'intérieur. Ça me fait six cuillères, ok? Voilà. Je vais mettre là de côté. Je vais venir maintenant prendre mon citron bio que je vais découper parce que j'ai besoin de la peau. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez faire comme ça. Voilà, vous pouvez, je vais d'abord enlever cette tête parce qu'elle ne me sert pas. Vous pouvez faire comme ça, vous voyez. Vous pouvez faire comme ça, vous enlevez la peau comme ceci. Vous pouvez enlever la peau comme ceci. Vous découpez, vous faites comme je suis en train de faire là. Vous découpez et vous mettez à l'intérieur ici, à l'intérieur du vase. Comme j'ai vu là, j'ai mis le riz, j'ai mis la peau du citron. Dans le cas concret, vous prenez votre citron, vous le taillez aussi, même avec la peau, c'est la même chose. Vous pouvez prendre comme ceci, vous découpez, parce que nous avons aussi besoin des grains de citron qui sont à l'intérieur, parce que c'est ces grains-là qui sont boostés de collagène. Je vais venir découper, vous découpez votre citron, comme je suis en train de faire là. Vous découpez bien. Découper en petits morceaux avec les grains, bien sûr, le citron. Vous découpez comme je suis en train de faire là. Après avoir découpé, vous allez venir mettre ici à l'intérieur dans le bol. Vous voyez, je vous ai montré comment est-ce que vous pouvez faire. Vous allez mettre là à l'intérieur. Il y a les grains là. Nous allons mettre ces grains de citron à l'intérieur. Voilà tout le matériel que j'ai eu à mettre ici à l'intérieur. Ensuite, le dernier matériel que nous allons utiliser, nous allons venir utiliser le persil. Tout le monde connaît le persil. Le persil va vous exfolier. Le persil va vous permettre de gommer. Parce que le persil, c'est un gommant. Quand on parle de gommant, ça ne veut pas dire de gommage, ça ne veut pas dire qu'il faut seulement que ça soit les graines. Non, le persil est aussi un très grand gommant. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tailler. Et nous allons découper notre persil, voilà. Nous allons découper comme ça. Vous découpez. Vous découpez. Vous n'êtes pas obligé de découper. Vous pouvez mettre directement ici dedans. Donc, je vais venir mettre le tout dedans. Vous voyez, vous mettez le tout dedans comme ça. Vous mettez le tout dedans. N'oubliez pas de désinfecter le plan de travail parce que c'est très important en cosmétique. Vous allez mettre comme ceci. Vous allez mettre comme ceci. Après avoir ajouté le tout, regardez vous qui me dites que je n'énumère pas les ingrédients. J'ai mis le riz, j'ai mis le citron et j'ai mis le persil. Voilà mes ingrédients ici. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons venir faire ensuite maintenant? Nous avons mis tout notre matériel là. Vous allez maintenant encore avoir besoin du lait. Vous allez prendre un quart de lait, disons pas un demi-verre de lait, disons un demi-verre de lait. Vous allez venir verser ici à l'intérieur. Un demi-verre de lait, vous versez à l'intérieur. Vous avez tout le mélange. Vous voyez comment le mélange est là. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant à l'intérieur ici? Parce que c'est un sérum très concentré que nous sommes en train de réaliser. Vous allez venir maintenant prendre une carotte bio. Une carotte comme ça, pas très grand. Une carotte de cette dimension. Nous allons venir découper. Voilà. Nous allons venir découper comme ça. Vous prenez vos carottes. Vous découpez en petits morceaux. Voici la carotte que nous avons eu à découper. Nous allons venir mettre ici à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, nous allons venir fermer comme ceci. Et nous allons passer le tout à mixer. Avant de mixer déjà, je vais d'abord secouer pour que mon mélange puisse être homogène. Vous voyez, je vais bien secouer.
Et ensuite, nous allons passer maintenant à notre mixeur. Nous allons poser là. Nous allons bien fermer. Attention. Et nous allons écraser. Je vais mettre bien la machine pour que vous puissiez voir. Nous allons tout écraser comme ceci. Secouer bien pour bien écraser. Je vais venir encore un peu écraser. Après avoir écrasé, voici le résultat obtenu. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prendre notre assiette. Nous allons prendre un. Nous allons poser là, nous allons venir prendre notre mélange, voilà, nous allons venir verser ici, comme ça à l'intérieur, attendez, je vous fais voir, voilà, nous allons poser comme ça, nous allons prendre notre mélange, nous allons venir verser pour recueillir, voilà, ça prend du temps parce que nous avons besoin juste du liquide qui va tomber, donc ça prend vraiment le temps. Je vais recueillir une petite quantité pour vous faire voir. Voilà, vous allez recueillir comme ceci. Voilà, vous allez recueillir comme ceci. Que ça s'écoute bien, je vais venir encore ajouter. Pour bien recueillir, attendez, voilà, et ma cuillère là qui dérange un peu, voilà, nous allons recueillir la quantité suffisante, allez presser, bien presser, vous pouvez même recueillir à partir d'un filtre, c'est plus facile même avec le filtre, voilà. Alors, recueillir comme ça. Je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Je vais encore venir pour recueillir encore. Nous allons recueillir. Voilà. Après avoir recueilli une quantité, je vais poser le reste ici. Voici le produit, voilà, comme vous voyez, que nous avons obtenu. Voilà ça. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons venir prendre maintenant pour mettre à l'intérieur. Donnez-moi un instant. Ensuite, maintenant, voici notre sérum que nous avons obtenu. Nous allons le mettre maintenant à l'intérieur de notre flacon. Nous allons le poser comme ceci et nous allons le mettre pour ne pas le perdre. Je vais d'abord poser un verre, je vais le mettre là dedans, voilà, et nous allons venir mettre tout dedans. J'étais sûre, heureusement que
Je ne sais pas. Voilà. Notre sérum que nous avons obtenu, vous voyez, j'ai beaucoup rempli, je vais verser un peu. Vous allez venir fermer votre sérum. Je vais remplir de nouveau. Là, nous allons nettoyer notre plan de travail pour vous présenter. Nous allons secouer, vous secouez bien. Et voici votre sérum que vous allez appliquer chaque soir avant de vous coucher. Sur un visage propre, vous allez prendre votre sérum. Vous allez le prendre comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. Vous allez mettre là. Vous allez venir mettre, disons, voici votre visage. Et vous allez appliquer sur votre visage. Voilà. Et vous allez vous coucher. Vous allez voir, vous allez obtenir un joli visage. Un beau visage, un visage sans imperfection, mais je vous dis, pour avoir de très bons résultats, il faut nettoyer votre colon avec la base principale, donc Belle Idée. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve dans une autre vidéo. Ça, c'est la part 1. Attendez voir ce que je vais faire avec la partie 2. Ok? Bisous! Union de prière!